Bonjour à tous et bienvenue, petite vidéo sur Dragon Ball Sparking Zero. Vous le voyez certainement pour sur ceux qui me suivent sur ma chaîne Twitch. Je fais mes let's play dessus. Alors des fois il y a parole ou sans parole, hein, ça dépend si la petite est avec moi ou pas. Voilà, donc je fais les let's play dessus et l'objectif un peu de ces vidéos-là, c'est de pouvoir les remettre du coup sur YouTube aussi pour vous faire découvrir parce que en parallèle de l'expérience que je peux vivre pendant le jeu sur la chaîne Twitch, j'y expose aussi mon avis. Et donc là, pour cette vidéo, on va parler du coup de la découverte du jeu à son lancement, avec quelques petites explications également sur les packs de musique, sur les DLC quand tu as précommandé ton jeu, et le ressenti à chaud également du menu de Dragon Ball Sparking Zero. Allez hop, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, donc là on découvre déjà les menus. J'ai vraiment des données de sauvegarde, vérifier sur les extensions. Donc déjà, j'ai activé le live. Il faut savoir que les packs de musique ont été désactivés parce que j'ai acheté des extensions de packs de musique et ça me les a désactivés pour le live. Ensuite, là on voit qu'il y a des extensions qui sont impliquées, donc ça qui sont liées à ma précommande. Donc voilà, ça fait plaisir. Pack de précommande. C'est comme ça que ça s'affiche. Ça, je le prends. On prend le Gogeta, bien sûr. Hein, Super Saiyan Divin, Gogeta Super, Super Saiyan, Super Saiyan Divin, Super Saiyan. Pff, le Broly. On peut déjà faire des combats de fou. Ça, c'est cool. Allez, on y va. Compilation musicale. Voilà. Donc là, on voit, ce sont ceux que j'ai pu acheter, mais qui ont été déconnectés au live. Et là, c'est pareil pour celui-là. Ils ont été déconnectés, donc on ne les entendra pas sur Twitch du coup. Ça, c'est vraiment chiant ce truc-là. C'est-à-dire qu'on ne profite pas des musiques pendant que tu joues à Twitch. Alors que potentiellement, je sais que certains passent les musiques en fond. Mais bon, c'est comme ça. Oui, j'accepte tout. Langue d'affichage, français, bien sûr. Audio. Anglais ou japonais, forcément. On reste sur japonais. On confirme. Oh, d'accord. On appuie longtemps. Qualité flou cinétique élevée. Bah, non, on va faire élevé. Pas de souci. Secousse caméra. Oui, il faut que ça secoue un petit peu. On avance. Salut Mist, comment vas-tu? HDR. Oh, c'est quoi ça? Les paramètres peuvent être modifiés dans les menus. Oh ouais. Haute plage dynamique. Ouais, on fait avec. Ouais, non, si on fait avec ça, c'est cool. Super. Bon, je vins ma fatigue, vois-tu, pour le jeu, mine de rien. De toute façon, demain matin, c'est grasse matinée. Rien de prévu. Donc ça, c'est cool. J'ai tellement attendu ce moment-là pour jouer. Il y a eu Time Out aussi tout à l'heure qu'on a regardé avec la petite et tout. C'est excellent, quoi. Musique, ok. Volume des voix, ok. Ah si, la musique, elle est pas mal, la musique, hein. Compilation musicale, ok. Ok, c'est cool. Sympa, la musique du jeu, en tout cas. Faudrait que je récupère la musique du jeu, d'ailleurs. Il est possible de lui paramètres de commande. Soutien, paramètres actuels, standard. Soutien au combat semi-auto. Note, les paramètres peuvent être modifiés à tout moment dans le menu options. Ouais, bon, on va prendre les recommandés, hein, je découvre. Et bien, collecter maintenant. J'ai gagné des rewards, me dit Microsoft. Merci. Alors, standard. Ok, envol, descente, garde, changement de ki. Déplacement, kick, machin, ok, très bien. Classique, contre-vengeur, chargement du ki, envol, descente. Ok. Envol, descente, tac-tac ici, garde, chargement du ki, attaque, rush. Ça fait plaisir quand tu découvres le jeu, j'ai des amis qui ont joué, ils ont kiffé. Ouais, voilà, c'est ce que je cherche à essayer de découvrir ce jeu-là. Parce que moi, comme je disais, j'ai jamais joué au 1 ni au 2. Et le 3, j'ai joué sur Wii. Donc là, c'est la première fois que je vais jouer du coup un jeu de cette licence-là sur une console.
de salon, quoi. Parce que la Wii, ça fait. J'ai surnommé la console raclette, je la sortais que quand il y avait des potes. Déplacement de caméra, on va prendre la standard, on part sur la standard. Soutien semi-automatique, personnalisé, non. Soutien au combo 100, 100, 100, oh, on va tout laisser par défaut. Hein. Comme on apprend, on va découvrir avec tout ça. Waouh! Il est magnifique déjà là. C'est la cinématique d'intro ça? Ah oui, ça c'est la cinématique d'intro ça. Ah sympa, on commence à prendre. Non, c'est pas la cinématique d'intro du coup. Mais on apprend un petit peu à jouer. Oh putain, le son il est bon. Alors, il y a L ici, ok. RTA, c'est ça, ok. Et LB, c'est celui-là. Ok, donc ça c'est fait. Ok, et... Ok. Il charge un Yuki, yeah! Ah, c'est punchy, hein! Maintien pour garde. Voilà, c'est bon. Maintenant jusqu'à il repousse son anniversaire. Ok, ça s'est passé. Ah, c'est cool, bonne nouvelle ça, poteau. C'est cool. J'ai encore Temu qui sont revenus pour me proposer. Je suis rendu à 4 demandes de leur part pour un partenariat. Ils sont fatigants. Ah, ça, c'est un cinématique d'intro, ça. Ah, oh, ça claque. Oh là 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 là. C'est super classe. Affreux la musique. Bah, j'ai acheté les packs de musique, Nervous, déjà salut, j'espère que tu vas bien. J'ai acheté des packs de musique et en fait pour le stream il est désactivé. Donc c'est un peu abusé quoi. Ah mais graphiquement c'est superbe. J'aime beaucoup. Allez là! Oh l'animation. Je kiffe. Exactement pour éviter le copyright, ça. Ouais, c'est un peu chiant d'ailleurs du coup. J'aurais bien aimé avoir les musiques trucs. Donc soit je fais sans streamer, soit je stream et j'ai pas eu de musique. Bah, petite cinématique d'intro, très sympathique déjà. Merci beaucoup poteau. Nani m'a proposé un partenariat car il a adoré mon contenu sur YouTube et il me propose des codes promo pour moi et ma commu, mais aussi de m'envoyer des boosters. Ah ça c'est sympa ça. Ah, il y a vraiment des trucs bâclés? Bon, bah on verra ça. On verra ça. Je sais que j'ai eu une mise à jour, moi, tout à l'heure. Félicitations, direction 3D, toujours plus d'un minute à attendre, Dragon Boost Parking 0. Ok.
Accès au super entraînement, depuis les combats et entraînements, dans un certain menu, et tout, apprendre à propos des diverses règles de combat, visionner les démonstrations, t'entraîner. Ok. Ça marche. Ah, sympa! Il y a 8 Sibirus? Ah, putain, c'est excellent! J'adore les menus là! Possible de faire un concours pour ma communauté en faisant gagner des boosters. Ah, c'est cool! Je le teste aussi car on ne peut pas critiquer sans avoir testé devant l'écran, c'est cool. Exactement! Exactement! Alors, ça c'est l'encyclopédie. Alors, tac, invoquer. Mais putain, mais c'est quoi ce truc là? J'arrive pas à me faire au menu déjà. Épisode des combats personnalisés, ok. Donc ça, on a ça, ce menu-là, ok. Combat et entraînement. On arrive ici. Combat, super entraînement, championnat du monde. D'accord, donc ça, c'est sous le menu qu'on a. Donc on y va, ok. Ici, définition. Sérieux? Carnet de vignettes de Whis. Ok, on va voir ça. Il y a des choses à découvrir en tout cas. Ah, j'aime beaucoup là le fait de pouvoir changer d'univers comme ça dans le menu. Boutique et personnalisé. Le menu est pas ouf. Ouais, j'avoue que là le truc en bas il est peu visible, donc tu sais pas trop où tu vas. J'aime bien par contre le fait de pouvoir changer d'environnement. Très. Toc, donc boutique personnelle, donc il y a des boutiques, tiens, on va aller voir la boutique. Est-ce qu'on a des magazines coquins? Parce qu'on est quand même chez Tartuginal. Je te rejoins, la musique ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude de ça. Après, c'est une question d'habitude. Boutique, est-ce que je vais déjà passer la carte bancaire? Non. Oh. Pas pour ça. Ah, donc tu peux déjà acheter les persos avance. Ouais, j'imagine que tu dois les débloquer en jouant. Tenue. Ouais, ça doit se débloquer ça aussi. Les voix. Ok, ça doit se débloquer ça aussi. Sérieux, ça doit se débloquer ça aussi, je pense. Ouais, je t'ai dit, poteau, faut qu'on essaie de se croiser. Et bah, au pire, il y a peut-être une chance si tu viens sur route de Van entre midi et deux, mais j'avoue c'est compliqué maintenant que je suis plus du côté d'Atlantis. Ça, bof. Carte de joueur 4. Oh, il y a des cartes de joueurs sympathiques, j'espère qu'on peut les débloquer. Tac, tac, donc ça c'est beaucoup. Vegeta, je dirais. Piccolo. Ça c'est l'entrejambe de sel, ça ou quoi là? Ah putain! Bon, du coup, en fait, on s'en fout de la boutique. Il faut quitter? Ouais. Boutique personnalisation. Ah putain, mais j'aurais voulu revenir sur la personnalisation, là, du coup, là. Ça, c'est pas bien pensé, ça. Alors, personnalisation. Donc là, on a les persos, c'est cool. Donc là, j'ai les petits... Oh. Gogeta, trop classe. Ah, on a quand même pas mal de persos débloqués dès le début. Ou alors, ils sont pas débloqués, mais c'est qu'on peut déjà les personnaliser. C'est peut-être plus ça, d'ailleurs. Oh. Sérieux, on peut jouer avec Whis? Ok, bon. On s'en fout de ça. Du coup... Non, mais Rebrian, quoi. Non, mais Rebrian, quoi. Sérieux, quoi. Non. Carte du joueur. C'est même pas un magazine coquin quoi qu'il a. Temps de jeu n'importe quand. Ouais, c'est ça. Épisode de combat. Non, en fait, je vais mettre la nuit. changer les paramètres, on s'en fout de tout ça. Perso favori. Je veux Gogeta. Alors si je peux avoir celui du vrai film. Je veux un vrai Gogeta. Celui qui a la classe. Putain, je l'ai pas. Bon, bah on va prendre celui-là. Hein. Modifier le titre.
Ouais, on va regarder ça. Temps de jeu, minuit. Ça pourrait être moi. Mode favori, j'en sais rien, on verra. Musique favorite, j'en sais rien. Décor favori, j'en sais rien, on verra ça plus tard. Sélection de l'arrière-plan, est-ce qu'on a l'entrejambe de scène? Allez, ça c'est pas mal, c'est cool. Voilà. Changer les paramètres, retour, ok. Liste suivre, rival, on s'en fout. Vidéo mondiale, on s'en fout. Tourner la page. Ah oh, putain, on a des pages aussi. Bon, on s'en... voilà, on a fait le tour, c'est bien. Et pourquoi un fond spécial? Et pourquoi un fond spécial Gogeta? Yeah! C'est clair. Bon, alors la galerie, ça c'est. Ah! Encyclopédie, mes données, cinéma. Ouais, bon, ça on s'en fout. Ok, à plus. Invocation Run, ok. Polonga, donc ça faut trouver le dressage, je suppose. Bon, eh ben, j'ai envie de te dire qu'on va partir sur un épisode de combat. Classe. C'est ça, il est où Gogeta? Il est où? C'est à peu près la chanson que je vais faire. Ah bah là ça rappelle beaucoup quand même l'écran de Daima là justement pour ceux qui ont vu Daima. Non, faut pas déconner non plus. Ah, ok, très bien. Graphiquement, c'est très sympa. Oh putain, il évite tous mes coups, le petit coco là. Ah putain, je joue à la mode Kakarot. Ça se fait pas du tout comme ça. Ouais, je crois que je vais avoir besoin d'entraînement. Wow, sympa! Ah, y a quoi là-bas? Allez, la garde, allez! J'ai eu quoi? Et j'ai tué? Bon, voilà. Bon, faut que je prenne les manettes, hein, la manette en main, putain. Mais sympa. Kakarotto yo. 明日までにこの星の人間を100人殺してここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。じゃあな、明日を楽しみにしているぞ。 Bon, les vagues, c'est pas ouf là, les vagues qu'ils ont fait là autour de l'île.
Un de ceux qui parvient à kidnapper Sengon cependant. Très inattendu, l'attendent. Ouais. Piccolo. Bah oui, Piccolo, bien sûr. Ça charge un truc là. やつの後をつけてきたのだ。その2人と言っても奴を倒せん。だが、俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかし、おめが言ってどういう数の吹き回しだ?勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間2人、もちろんその後は貴様をぶち倒して。 Bah, l'eau elle est belle, vois-tu, mais ces grosses vagues blanches, ça fait dégueulasse. Pour moi, ils auraient dû ne pas les mettre. Bien, j'ai essayé ça, se reproduire. Ah, d'accord. S'en occuper seul, d'accord, là on peut faire le choix. Excellent. Peu importe le prix à payer, il faut que je sauve Sangwan. On s'en fout, on suit l'histoire originale. On refera le jeu, puis on fera les trucs alternatifs au pire. Je vais avoir besoin de rater le pas de ma balle, bien sûr. Eh, c'est stylé quand même leur fait là qu'ils font. C'est stylé, j'aime bien les effets de caméra qu'ils me mettent là. Une nacelle spatiale, sérieux? Bon, on va partir à la bagarre. Kakaroto. 貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。みんなごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロット。貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。死んでしまえ。Yeah. 貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってる。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。 C'est assez facile à utiliser leur technique, c'est cool. Ah, il a évité. Ah. Donc, il fallait que j'esquive là. 新しい特定機能技なんかないのか。何が。おい、めっ、フーラボンレーだ、リプティココ。真面目に修行して深海発したってのによ。本当か。ああ。だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間、やつと一人で戦って注意を引きつける。ben il me il arrête pas de me parer. Ah, faut absolument que j'aille faire l'entraînement. Ah, le jeu est très très beau. Ah, ben là, il m'a niqué là. Mission accomplie. Non, sérieux? Fallait que je perde le niveau? Sérieux, fallait que je perde le niveau là? Ok. Bon, bah, je suis pas si nul que ça. Ah non, si. Si, si, j'ai perdu. Allez. Ah,
Oh, c'est beau ça! Regarde-moi ça là! Ah, on voit la patate! C'est bien ça! Sérieux? Putain! En fait, l'objectif c'est tu te barres et tu évites le truc et puis voilà quoi! Hello Dabeb, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne Twitch. Non, bah c'est... Ah mais il envoie les patates là, le radis ça. Ah mais ouais, ok d'accord. Bon, on va se recharger puis on va y envoyer ça plus tard. Ok. Bon, on va essayer de se rapprocher du monsieur quand même, non? Parce que. Oh, c'est excellent là, l'enchaînement que tu fais là! Ah, ouais, ça c'est cool! Ça c'est cool! Ah, il m'a pas tué là. Non, j'ai gagné des trucs, c'est que j'ai gagné. Là, j'ai monté un plus un niveau. Yeah, ça c'est fait, c'est cool. Kakaroto. Putain, j'adore ces effets là, les effets de pose et tout ça. C'est vraiment excellent. Ah, puis le Gon, il est très sympa. まだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな。すぐに合わせてやる。あの世でな。貴様。ピッピッコロ。早くあの技を。貴様正気か。お目を通すんや。これしか方法はねえんだ。待たせてな。覚悟いいか。 Alors, il me semblait que il y avait une phase quand même avec Piccolo qui perdait son bras quand même. On s'est pas hyper fidèle quand même à l'histoire. En tout cas, le paysage il est superbe. Ouais, oui, je suis d'accord, hein, les graphismes ils sont très jolis. いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。 Ah, la musique ça va. C'est un peu du générique, hein. Ça va, globalement. Les persos sont bien faits, hein. Les persos sont très bons. Ah,
Ah voilà. Nappa et Vegeta. Ok. Ouais, pas assez de vidéos, c'est clair. Ah, je change en nerveux là-dessus. C'est l'histoire, elle est très abrégée. Donc, je comprends ce qu'il disait quand l'histoire serait. Putain, mais ils zappent tout ça, quoi. Ah ouais, on fait les grandes lignes, quoi. Bon, y a un truc qui se charge, c'est long. Ok. Ah, donc Aratin, ça veut dire que là je fais l'histoire côté Goku, mais ça se trouve, je dois pouvoir refaire l'histoire côté Vegeta. Ça peut être simple. Ouais. Bon, on verra bien. Les photos, c'est bien. C'est... Ah, pour l'instant, j'aime bien le style. J'aime bien l'effet vidéo, pof, on s'arrête sur l'image. J'aime bien ça. Après, les photos, effectivement, tu sens que c'est là pour écran de chargement. Et des fois, les photos, t'arrives pas à les passer. Espèce d'enflurant. Ah donc ouais, mais putain, je peux pas. Ok. Je peux pas aller faire de l'entraînement, quoi. Allez. Ah putain. Ah, il y a des objectifs. Ah, j'ai même pas vu. Eh oh, eh on part, pars-moi ça. Oh, Genki là-bas, sérieux? Ah, ça c'est le bébé, ça. Oh, c'est beau. Je kiffe. Voilà, ça c'est ok. Tu me dis qu'il y avait des œufs aussi, putain, faut aller voir ça. En faisant start. Non mais demande pas à être télé, il est attaché. Et bim, voilà, ça c'est beau. Mission maîtrise de Goku niveau 1, niveau 2, très bien, on avance. On enchaîne avec Vegeta, je suppose. Ugokenai Saiyajin nado kitsuyou nai. Shine! Vegeta. En fait, c'est un peu chiant. C'est stylé, mais à la longue, toi, des fois, faut arrêter les trucs, vidéo, puis après, pause, quoi. Ok. Voilà, l'observant va se faire corriger par Goku et capable de contrôler, il assassine sous caméra. Oui, bon, ça c'est ce qu'on vient de voir, très bien. Me sentant un danger évident, Goku ordonne que rien ne tienne. Ah,
Un endroit. Ok, très bien. C'est super abrégé, hein, bordel. Je vais arriver à Segabu dans. Dans une heure, quoi. Il est sur la planète, je suis ici, là comme tombeau. Yes. ようなカキュー戦士が超エリートに遊んでもらえる。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない方に送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげで俺はこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。 オッケー。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。サイヤ人は戦闘種族だ。 Allez. Putain, il m'enchaîne dans le ventre. Recharge un petit peu. Allez, prends-toi ça, Coco. J'aime beaucoup l'effet quand même pour le Genki Dama. C'est classe. J'en renvoie un autre, hein, il veut pas venir me taper. Bah en fait le Genki Dama ils prennent tout à chaque fois quoi. Ah, ah il s'est fait péter tout seul c'est ça. Ouais, je vais renvoyer un Genki Dama. Hein. Si tu fais des Genki Dama, ça passe. Sérieux? Ah, il a esquivé quand même. Il pète tout, sérieux? Tu reviens? Tu viens, c'est ça? Allez. Je t'envoie le dernier que je peux faire, je pense. Voilà, hop, le petit coup de poing. Bon, le Genki Dama, c'est à peu près dans tous les jeux, hein. Tu peux le passer facilement et ça fait le taf. Bon, je suppose que ça va être le Zao Vegeta, c'est là où tout le monde en chie. C'est là où apparemment il y en a qui rage quitte. Vais-je être un rage quitteur? On avance. Petit moment de charge, voilà. Voilà, bah on s'arrête à Vegeta, voilà, donc on a quand même vu le combat de Raditz contre Nappa aussi, et le premier combat contre Vegeta, la partie Ozaru sera pour une prochaine partie, parce qu'il y en a
pas mal apparemment qui se galèrent dessus, et moi je vous spoil, je l'ai fait en deux fois, deux techniques. Donc ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye bye. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.